Et coucou tout le monde, bien le bonjour, ici c'est Baribal40 qui vous souhaite la bienvenue pour une soirée frisson avec Alien Isolation. Ah, on va se faire bouffer, on va se faire déchiqueter je pense, mais j'espère qu'on va avoir peur. Et si t'es sur YouTube que tu regardes la rediffusion, mais bienvenue à toi aussi. Voilà, bon, ben on va commencer le jeu vendredi soir jusqu'à que je l'ai terminé. Et on va faire ce petit jeu tranquillement ensemble. On n'est pas vendredi, on est samedi, mais bon, c'était le réveillon. Oh, ça va, ça va, ça va. Oh, on se calme. Ok, bon. Allez, on est parti pour une soirée frisson. Alien isolation ou mode survie. Et commencer la partie. J'ai pas encore commencé la partie donc. Les tâches se corsent, mais vous avez vos chances. C'est no c'est normal ça. Alors. Déplacer jusqu'à ce que le logo de Swindon soit à peine visible. Voilà. À peine visible. Je pense que c'est le juste au milieu. Voilà. Sega! Dernier rapport du véhicule commercial Nostromo. Troisième officier au rapport. Les autres membres de l'équipage. Kane. Lambert. Parker. Brett. Le V. capitaine Dallas sont morts. La cargaison et l'appareil détruits. Je devrais atteindre la frontière dans moins de 6 semaines. Avec de la chance, le réseau devrait me repérer. Ici, Ripley. Dernier survivant du Nostromo. Terminé. Mon nom est Samuels. Je travaille pour la compagnie. C'est au sujet de votre mère. On pense peut-être l'avoir enfin retrouvée, Amanda. C'est un vaisseau de commerce, appelé l'Anessidora, qui a récupéré ce qui semble être la boîte noire qui a enregistré la fin du Nostromo. Où ça ? Zeta Reticuli. Et ça disait quoi? Nous l'ignorons. L'enregistrement a été envoyé à la station Sébastopol. C'est un document qui appartient à la compagnie. Elle veut qu'il soit récupéré le plus rapidement possible. Lui, c'est un cyborg, hein. Sébastopol est un dépôt de ravitaillement dans la région. C'est une plateforme d'accès libre. Je sais ce que c'est. Le transfert est déjà arrangé. Il y a un vaisseau coursier, le Torrens, qui croisera notre route dans 2 jours. Notre voyage vers la station... Notre ? Moi et un autre employé. Et vous, si vous le souhaitez. Écoutez, Ripley. Quand ce dossier est arrivé sur mon bureau, j'ai parcouru tout son historique.
J'ai compris. Pourquoi vous avez choisi de travailler dans la zone où elle a disparu? Vous la cherchez encore, n'est-ce pas? Non. J'ai obtenu le feu vert pour vous offrir une place pour ce voyage sur le Torrens. Ça ne dépend que de vous. Peut-être que ce sera l'occasion de tourner la page. Ils sont déjà perdus, putain. Ouh, une culotte. Oh, pardon. Ah, oh, ça va, je serai toujours un ours des montagnes. Appuyez pour vous démarcher, d'accord. E pour se connecter. D'accord, bon, pour l'instant, ça va. Ça va. Amanda Ripley. Explorez le Torren. Habillez-vous. Pourquoi? Bon, je pense que c'est ici qu'on s'habille. Bon, faut dire ce qu'il y a, hein. Déjà, les vaisseaux spatiaux, c'est super glock. Non, jamais 203. Bonjour. Une petite douche. La 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 la. Ouais, mais tu fais comment pour chier s'il y a qu'une toilette? Sans déconner. Et voilà, on est dans le noir, et voilà, même pas un petit... Ouais, objectif complété, youhou! Pour l'instant, on s'en sort bien. On s'en sort bien. Utilisez les bandes d'enregistrement. C'est ça les bandes d'enregistrement? Sauver la partie. Bonjour, je désire sauvegarder. Écraser les données, oui. Verlaine, connard. Bon, on doit aller où maintenant, chef? T'as même mon Windows se lance plus vite, quand. Tu cherches un officier navigateur, j'ai un ami qui vient de perdre son vaisseau. Ça, c'est jamais bon, ça, hein. Toujours le même refrain. Page précédente, page suivante. Ah, c'est là pour. Toujours le même refrain. Gosses multinationales l'ont bouffé. Oh là 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 là, on a racolé. Salut Akam, tu vas bien? Comment ça va? Un peu plus dur, les entreprises décrochées. Bonne chance à toi, tu connais la chanson, si tu peux les battre, autant les rejoindre, pas vrai, faudra... D'accord. Je suis sur Valhalla. Ah, mais tant mieux. Moi, je l'ai fini. Il me reste quelques quêtes à faire, mais sans plus. Tu t'amuses au moins ? À égorger des pauvres gars qui ont rien demandé! Juste parce qu'ils sont. Ah, pardon. Juste parce qu'ils sont dans le truc ennemi, hein? Bravo, bravo, hein, bravo. Chez Kiyoshu? J'ai vu que t'étais chez Kiyoshu aujourd'hui.
De quoi, Kyoshu? Oh, y'a quelqu'un! Ah! Oh, y'a quelqu'un. C'est qui, Kyoshu? Bah, t'as du mal voir. Je me suis pas connecté Discord de la journée. Ah, s'il plaît. Samuels, vous êtes déjà debout? Eh bien, je n'ai pas dormi. J'étais justement en train d'inspecter les installations du Torrens. C'est un vaisseau bien entretenu. Putain de cyborg, oui, ça. C'est un modèle très similaire au... Au Nostromo? Oui, classe M. Un modèle un peu plus récent, mais aux spécifications similaires. J'ai fait des boulots de méca sur des appareils comme ça. Je comprends. Est-ce que Taylor est réveillée? Elle manque d'expérience en matière de voyage. L'hypersommeil ne lui a sans doute pas fait du bien. Je l'ai pas vue. Je vais la rejoindre. Parler à Samuel complété. Ouais... Ça fait un peu jeu rétro quand même. Hein. J'ai vu que t'étais chez Kyoshu. Tu peux me dire ce que c'est Kyoshu? Ou pas? Parce que je sais pas du tout de quoi tu parles là. Ah d'accord, ok. On met des valises devant pour pas qu'on monte quoi. Hein, bravo! Bravo! Alors ça c'est l'organisation hein. Ça, c'est de l'organisation, monsieur dame. Eh oui. Putain, mais ils vont limite me faire peur en allumant des lumières. C'est quoi, cette connerie? Salut, pute. Alors, bonjour. Ripley, y a rien de bon dans cette journée. Et je pense pas qu'il fasse jour, non plus. Et une petite cochon à lunettes. Je me sens trop mal. Je sais pas comment vous arrivez à supporter de vous mettre en hypersommeil si souvent. On s'y habitue. Je fais pas trop de longs voyages. La plupart des employés dans le secteur légal vont rarement plus loin que la machine à café. Ça m'étonne que Wayland Yutani ait embarqué une juriste. La perte du Nostromo et de sa cargaison ont coûté beaucoup d'argent à l'entreprise. C'est important qu'on découvre ce qui s'est passé. Si j'arrive à boucler l'affaire avec un rapport d'accident concluant, mes supérieurs seront contents de moi. Désolée, ça manquait un peu de tact. Je me rends compte que ta mère est portée disparue depuis 15 ans et que toi, tu... Je m'en bats les couilles! On y trouvera chacune notre couille. J'en bats les couilles! T'as vu Samuels? Non, je l'ai pas vu. Ça doit faire des heures qu'il est élevé. Des jours même, vu que c'est un cyborg, putain de merde! Personne ne l'a remarqué! Personnel sur le pont. Station Sébastopol en approche. On est arrivé. Et ça, ça va dans l'espace, hein? Parker, ingénieur, je pensais qu'on était que 3. Ok. Un retour. Allez, on va continuer. Alors là, je pense que c'est tout droit. Est-ce que je pense bien? Bonjour. Non, c'est là, je crois que c'est la sortie en fait. Caution. Putain, s'il y avait des panneaux là quand même. Bon, il y a des panneaux mais et bon, faut les comprendre après les panneaux quoi. Et là, tu vas me dire, voilà, devant les portes et tout. Voilà, on peut pas aller là. J'aurais peut-être dû suivre la dame. Je pense qu'elle est partie par là. Allez là ! Ouais, j'ai trouvé ! J'espère que vous avez tous fait bon voyage. Tu pues. Pour un vieux classe M, le Torrens est en très bonne forme, capitaine. C'était une épave quand je l'ai acheté. Ça m'a pris des années et beaucoup de contrats pour... Je suis un cyborg. J'ai bien rentabilisé. Vous avez dit qu'on approchait de la station Sébastopol. Est-ce qu'on va s'amarrer? Votre contact est le Marshal Waits, si je ne me trompe pas. Je vais prévenir Sébastopol et arranger le débarquement avec lui. Bien, c'est parti. Au boulot. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Taylor. Mission de routine. On fait que passer. Connor, comment ça se présente? ISMG chargé et calibré. Vecteur d'approche verrouillé. Laissez-moi passer. C'est bon. Ouvert, capitaine. Est-ce que vous avez tous pris vos documents de briefing? Vous pouvez observer l'approche sur les écrans. Ah bah c'est votre briefing. C'est où qu'on le prend? Ça doit être ici, là. Voilà. Attention.
Est-ce qu'on pourrait voir ? Passe aux écrans de contrôle. Voici la station Sébastopol. Il y a des dégâts ? On dirait bien que oui, en effet. Zoom sur le 74. Resserre l'angle. Ça veut rien dire, ça ! Zoom sur le 74. Je peux pas amener le Torrens là-dedans. Non, je suis pas en coop. Commerce Torrens au départ de Saint-Clair, immatriculé MSV 7760. Appel à la tour de contrôle de Sébastopol. Je transporte avec moi 3 passagers pour le compte de la Weyland Yutani. Vous détenez la boîte noire du vaisseau Nostromo. Nous demandons l'autorisation pour transfert immédiat de nos passagers à bord. Je crois pas qu'ils détiennent que ça. Marshall? Marshall, ici le Torrens. Répétez. Les communications de la station ont l'air bousillées, donc j'ai équipé la combinaison de Samuels avec un ampli radio. Putain, pourquoi on a un putain de d'avocat qui vient avec nous, quoi ? Ça me connaît. On vous aura déjà contacté depuis longtemps. Bon voyage. Venez. On comptera par les pas de foutues sorties dans l'espace. C'est la seule option. Et y a rien à craindre si tu fais ce que je te dis. Bon, elle va mourir, quoi. On va pas s'amarrer au truc, quoi. Bah non. Bah non, on va dans le vide interstellaire. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Oh putain, Ripley. Tu t'en sors bien, Taylor. Tu vas me dire pourquoi ça explose maintenant, quoi. Ça va pas exploser avant. On va les retrouver plus tard, vous inquiétez pas. Bon. Ils sont toujours en vie, oui. Un truc a explosé, a coupé, comme par hasard, le câble. Voilà. Comme par hasard, ils sont séparés. Voilà, comme par hasard. Trouver de l'aide. D'accord. Bon, heureusement, il y a encore de l'air. Et c'est pressurisé, quoi. Bon, on te met dans l'ambiance assez vite, quand même, hein. C'est bien ça. Bon. Alors, si on se fie à Scary Movie, mort, lieu sûr. Alors, on va au lieu sûr. On va du côté de la surgarde. Sinon, vous seriez des dentifrices.
Je ne fais que passer. Oh. Pourquoi les dentifrices? Attention, stabilité de Sébastopol compromise. Veuillez vous rendre au poste de contrôle du Marshall et y rester jusqu'au réalignement des stabilisateurs. Alors là, il y a un coin rouge pas du tout accueillant, et là, une lumière bleue accueillante. Ok. Bonjour. Ah ok, ok, ok. Donc en fait, c'était la même chose. Autant pour moi, autant pour moi. Bon, il y a une vanne là, non? Il doit y avoir une vanne quelque part. Ah bon, il y a des... Bon, déjà, s'il y a... Bon, si on m'entend crier, c'est normal, hein. Il y a juste qu'à aller fermer ça, c'est tout, quoi. Sans déconner. Ah, c'est vraiment le bordel. Au moins tout le monde a le même logiciel, c'est le principal. Alors, fichier corrompu. Bon les enfants, on a déjà sûrement entendu les bruits qui couvrent le sujet. Il court au sujet de Sébastopol. Et je peux vous confirmer que c'est officiel, putain. C'est mis en service, quoi, voilà. J'entrerai plus dans les détails que chacun de vous... travail à faire, au placé... équipe minimale. Contractuel extérieur pour aider. Ainsi, il y aura des heures supples. Le truc, tu vois, qui donne envie de venir, quoi. Je vous conseille de prendre tout ce que vous pouvez tant que c'est disponible. Ok. D'accord. Je tiens à dire que... préciser que le démantèlement, d'accord, ne veut pas dire pêche à la ligne. Oh, putain. Ici, tout doit être compté et j'escorterai personnellement, d'accord, moi-même, au Marshall Waits, toute personne trouvée en train de servir dans l'équipement. Attention, hein, tu voles pas. Hein. Pop, 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 pop. T'es là pour tout péter, mais tu peux rien prendre, d'accord. Le fil de cuivre, hein, c'est pour Bibi. Hein. Ah, attends. Si t'es un gitan, tu te barres. Hein. Non. Ok, on a compris. Oh, gitan, tout de suite, des propos, quoi. Bon, on sait qu'ils étaient là pour faire les manouches. Oh, tout de suite, des manouches. Mais non, pas des manouches, des... Bon, mais d'accord, moi, je pars, hein. Ça grognait de ce côté-là, je m'en vais, hein. Alors, deux contrôles. Ça aussi, c'est fermé. Allez, ben voilà. Tout est fermé, tout est... Ah, bien sûr. Comme par hasard.
Mais j'ai même pas été surpris, quoi, tellement que je l'ai vu venir à 10 000. Ah, mais bien sûr, hein. Je peux pas remonter par là, y a pas d'échelle. Comme par hasard. Voilà. Si je chope le mec. Bon, est-ce qu'il y a une torche? Il n'y a pas de torche. J'avoue que c'est un peu angoissant, mais non, qu'il n'y a plus... Bon, arrête un peu, là. Putain, on dirait une asthmatique, quoi. Oh, mon Dieu, de la poussière. Oh, il y a une putain d'échelle, là. Mais monte. On peut pas sauter. On peut se baisser, mais on peut pas sauter, d'accord. Dans ce monde-là, on saute pas. Attention. Alors, argent collant. Bon, on va tout ramasser. Voilà. On sait jamais, comme ça, si on voit un... Si on voit un alien, on lui colle la bouche. Oh, je cours! Oh, je cours! Et voilà! J'avais pas appuyé sur le bouton. J'avais pas appuyé sur le bouton. Je suis désolé, j'avais pas appuyé sur le bouton. Est-ce que je peux monter à l'échelle? Oui, on dirait. Mais je suis pas allé voir ce qu'il y avait de ce côté-là. Un agent collant. Ça, c'est au cas où t'as une plaie ouverte. La colle servirait de... On les tag, hein, les mecs. Voilà, bravo. Quel professionnalisme. Là, j'aurais pu directement aller là, en plus, quoi. Oh là 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 là. J'aurais pu directement aller ici. Ouh, on est parti pour... Combien de fois vais-je mourir, purée. Oh, on entend une radio. On entend une radio. Ta gueule. Petite musique qui va bien aussi. Camelot. Oh, on ramasse tout, nous. Attends, on les éboueurs. Hein. C'est bon. Bonjour. Eh oh. Y'a quelqu'un? Je suis une femme. Bien foutue. Oh. J'ai des arguments. Oh, la blague de bof. Oh. Pourquoi c'est pété, ça? Get out! Get out! D'accord. Tu peux me dire ce qui est écrit là, mon petit taca? Cette vie pour... Rent. C'est-à-dire quoi, rent? Tomorrow, no. Together. Together. C'est-à-dire quoi, ça, together? Here, help. Aide. Aide, ça j'ai compris, mais together. Tomorrow, together, no help. No future. En tout cas, il y a quelqu'un qui a pété un câble. J'entre pas là-dedans, moi. Ah non, 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 non. Alors, ça, c'est encore un truc de...
L'anglais, si tu cherches mon stock, je l'ai bougé. Tu l'avais laissé en plein milieu de n'importe où qui aurait pu le prendre. Tu sais que j'ai dû me faire cirer pour l'avoir. Je l'ai planqué dans un KGB. Tu devrais pouvoir le trouver. Le code, c'est 03... Est-ce que je dois le noter? 0340. T'en fais pas, plus personne ne descend au terminal maintenant. Pas après ce qui s'est passé. Autre chose, on n'a plus de médoc. On est presque à court d'eau, donc il va falloir que tu en ramènes. C'est ton tour, ça t'apprendra de prendre... Ça t'apprendra peut-être à mieux prendre soin de nos affaires à l'avenir. Anna ! Ouh, attention, il fallait pas la casser les couilles à Anna. Démantèlement de la station, nous avons fait un long chemin ensemble. Ça, c'est avec regret que nous arrivons à la fin. Aimerait profiter de l'occasion pour nous remercier tous ceux qui ont travaillé et vécu sur... Voilà, ok, bon. Nous espérons participer à créer un environnement productif et enthousiaste. Notre investissement et notre foi n'ont jamais faibli, jamais, jamais. Vous pouvez être sûr que l'intelligence artificielle centrale de la Apollo, ainsi que ses androïdes lambda, continueront de servir Sébastopol jusqu'à ce que la dernière pièce soit démontée, putain! Ouais, je rajoute un petit peu de notes théâtrales. Hein. C'est pas marqué, ça. Nous vous souhaitons à tous un brillant avenir. Après tout, Sébastopol n'est pas juste une station, c'est aussi une communauté. Un peu comme les oursons du Baribal, vous êtes une communauté, les enfants. Sexomscorp. Bon, d'accord, c'était un putain de dirigeant qui a rien à foutre. Audio. Harris, Turner, revenez ici immédiatement. On a une piste quelque part à la salle des machines. Verrouillez le terminal, coupez le courant et n'oubliez pas vos rapports. Et qu'ils soient en béton. On va avoir besoin d'une paperasse irréprochable quand tout ce foutoir sera fini. Waits, terminé. Bon, on va enregistrer, hein. Bonjour. Non, je me chie pas dessus. Pas encore. Attends, on va changer. Désolé pour que je vous ai coupé dans l'immersion, quoi. Je suis désolé. Commande. Ah non, c'est pas cette commande-là. Clavier. Voilà. Alors, courir, c'est mage. S'accroupir. Voilà. E, utiliser. A, fermer. Menu radial. Scruter. Voilà. Un pistolet à clous, un taser. Détecteur de mouvement sur l'espace. D'accord. On scrute, j'appuie sur le bouton scruter, mais je vois pas.
Donc on saute pas. Une manette Xbox. Bah, j'ai pas de manette Xbox, moi. Et même si j'en avais, je vois pas ce que ça te ferait. Ah. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Bah, pour l'instant, RIP, Sébastopol. Bah, des gens ont pété un petit câble. Un soudeur ionique requis. Ok. Ah, oh, c'était le chinois du coin. Là, tout ça parce qu'il y a une PlayStation 5. Voilà, quoi. Voilà. Ah non, c'est vrai, t'as... Mais au fait, ta mère, elle t'a rendu ta console. Non, la Xbox est une excellente console. Le problème, c'est que les jeux ne suivent pas. Voilà le souci. Pourquoi il s'est mis à bouger d'un coup, lui? Je pense que c'est important de lire. Zoé! Je suis désolé, mais j'ai pas besoin que tu viennes la semaine prochaine. Que la boutique bat de l'aile depuis quelque temps déjà. Je ne pourrai plus retenir les créanciers plus longtemps. Il y a tout simplement plus personne qui vient à Sébastopol. Et puis, il n'y a pas que nous. On dirait que la station tout entière est dans le rouge. Et qu'ils arrêtent tout. Ils vont tout vendre pour des miettes, je suppose. J'ai parlé à des ingénieurs. Et ils pensent qu'ils vont bientôt l'annoncer. Je te dis ça, pas pour que tu t'éternises ici. À chercher un autre job. C'est fini, Sébastopol. Il est temps de passer à autre chose. Harper. À tous les employés du terminal spatial, dans l'intérêt de la sécurité publique, on veut éviter la panique. Il est important de faire comprendre à tous les passagers potentiels qu'aucun vol de départ de Sébastopol et qu'aucun vaisseau ne seront disponibles. Marshall de la colonie sont actuellement en train d'enquêter sur les problèmes affectant la station. Ils ne communiqueront par la suite. Ah, donc il y avait des petits soucis. Attends, mais... Ah, ok. Qu'est-ce qu'Apollo? Apollo est l'IA centrale qui surveille et assiste à tous les lambdas de Sexton 1.
Elle supervise également toutes les connexions sur la station. Où que vous soyez, vous êtes entre de bonnes mains. D'accord, donc l'IA va me péter les burnes. Voilà, en quelques mots, l'IA va me... Apollo va me péter les couilles. Oui, je sauvegarde beaucoup. Oui, oui. Oh. C'est bon, il y a quelque chose qui marche. Bonjour. J'ai laissé mes coucougnettes à l'extérieur, pouvez-vous arrêter de me faire peur? S'il vous plaît. Tout est en train de partir en morceaux. Non. Tu crois? Alors si c'est pour dire des conneries, mademoiselle, on ferme sa bouche. D'accord. Oh. Bah ouais. Ouais, ça aurait pas été plus simple de d'escalader ça. Non, non, bah non. Toujours dans la simplicité, quoi. Bon, écoute, on est là pour faire peur. On n'est pas là pour sauter, ok? Voilà. Faut bien que les gens comprennent, quoi. Et je commence à parler du nez. Ah. Je m'y attendais pas, c'est la fin. Oh, je t'ai vu courir, c'est bon. Oh là là, j'aime pas les jeux d'horreur. En fait, j'aime pas. C'est pas que j'aime pas, c'est que j'y joue pas souvent. Ok. Alors, il y a des cadavres partout. Je pense que je suis... Je suis pas... On n'est pas bien, là. Ça doit sûrement être la sortie. Attends, j'ai vu une porte ouverte là-bas, on va aller voir. Mais tu t'es même pas foutu de ma gueule quand j'ai crié, quoi. Viens, chat. Ah, ils vont aller voir en haut ce qu'il y a là.
Ah, il faut que je rétablisse le courant. Damn. C'est quand tu vois tous ces cadavres et que tu vois que ça c'est accroché, tu te dis, je pense qu'il faut pas l'ouvrir. Moi je me le dis en tout cas, tu vois. Je me dis non, je vais pas ouvrir ça. Et aussi pourquoi je n'ai pas de lampe torche. D'accord. Je viens en paix, ok? Je suis pas venu ici pour souffrir! Oh. Il faut quoi? Bon, ça doit être par là quand on met le courant. Ah, je vois, c'est bon, je l'ai vu. Je l'ai vu. Bon, je sais que je dois aller de l'autre côté là-bas. Ok, je sais. Bon, il me faut un soudeur ionique. Je sais pas trop ce que c'est. Mais faut arrêter, hein! Oui, j'ai encore eu peur. Ça se voit, non? Fuck le Marshall! J'avais pas vu ça. J'ai compris ça. Ça, je l'ai compris. J'ai encore dû m'occuper de cet abruti d'ivrogne. Cette fois, il a presque pété la porte avec un cric de maintenance. Il doit sûrement se croire en sécurité ici, il veut s'y enfermer. Qu'il aille se faire foutre. On a d'autres chats à fouetter que de babysitter les poireaux. Enfin bon, je l'ai bouclé dans le coffre des pièces à conviction. Laisse ce connard cuver.
D'accord. D'accord. Oh, merde. Bon, mais t'es pas si en sécurité que ça, hein. Ah, ok, il s'est enfermé avec ça. Donc en fait, je dois venir ici. D'accord. Ah, regarde, là-bas. C'est là-bas. Il y a des traces de sang, putain! Je crois que j'en ai plus besoin que toi. D'accord. Eh ben, il était pas en sécurité. Et le chat arrête. Bonjour, m'attaquez pas. Oh, le porc, il s'est fait tabasser la gueule, t'es. Tout ça pour ça, d'accord. Pourquoi tant de bruit, là? Non, non, je vais ouvrir là-bas au dernier moment. D'accord, là, j'ai des trucs à... J'ai vu qu'il y avait une arme là-bas, je vais aller chercher l'arme.
J'avoue, je marche sur les cadavres, c'est pas super, mais bon. Ah, c'est pas grave! Ils vont plus râler, hein. Ah non, faut un truc, un soudeur, je sais pas quoi. Ah. Ça donne pas du tout envie d'y aller là, je le dis, hein. Ça, c'est de l'éthanol. D'accord. Des fumigènes. Un petit magazine coquin. Voilà. Pour pas perdre la boule. Pour pas perdre la boule. En fait, il n'y a que ça là-dedans, c'est tout. Putain. Pipi. J'arrive. Ah, mais je vois qu'on est devant son écran. Attention. Ah, je vois. Il est où l'ours, quoi? Voilà, il est où l'ours? J'en reviens, je vais mettre mon retour.
Attention, on est reparti. Alors. Ne bouge pas. Pas un geste. Ok, ok. Maintenant, tourne-toi. Allez! Mon nom est Ripley. Et tu sors d'où, Ripley? De l'extérieur, d'un vaisseau. Y a pas de vaisseau, ici. Maintenant, si. Ben ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça craint pas mal ici. Il vient d'avoir une explosion. Ça a tout secoué dans le coin. J'ai vu ça. Mais ça, c'est bien le dernier de nos soucis. Ah ouais? Ouais. Y a quelque chose sur la station. Un truc assez incroyable. Genre quoi? Un tueur. Tu comprends? D'accord. Pourquoi il dit pas tout simplement il y a un alien qui tue tout le monde dans ce putain de vaisseau? Et toi, t'es qui? Axel. J'ai embarqué avec deux collègues. On a fait une EVA. L'explosion nous a séparés. Tu veux bien m'aider à les retrouver? Pourquoi? T'as l'air de connaître les environs. Là, je veux dire, pourquoi? J'y gagne quoi, moi? Une place sur le vaisseau. Et comment je sais si je peux te faire confiance? Lui, c'est le Marshal, lui. Le centre de com. J'ai besoin de contacter mon appareil. Alors là, c'est ton jour de chance. C'est parti, poupée. Sixon Communications se trouve dans la tour Systech. C'est pas la porte à côté, mais on peut atteindre un transit par la zone de fret. Mais fais gaffe, on tombe toujours sur un pépin là-bas. Ok? D'accord. Alors, est-ce que je peux ouvrir? Dépêche, j'ai pas envie de m'éterniser ici. Ah, un qui va me mettre la pression. Ouais, il y en a un qui va me mettre la pression, voilà, voilà. Alors, on était pépère, tranquille, voilà. Les hommes d'abord? Ok, d'accord, j'y vais. C'était toi qui me suivais, là? Fallait bien que je garde mes distances. On n'est jamais trop prudent ici. Ok. Reste à côté de moi. Quoi? Hé! Hey, pas un geste! Ok, d'accord. On n'est pas là pour chercher les embrouilles. Vous êtes qui, vous? Moi, c'est John. Ça, c'est Ringo. C'est juste une paire de connards. On a d'autres choses à faire. Allez, viens, Jana. On cherche le centre de com. Vous pouvez nous aider? On n'a pas besoin de leur aide. Tu leur dis rien. Écoute, j'ai réussi à faire marcher l'ascenseur. Jana, tirons-nous d'ici, ok? Je suis désolée. Bonne chance. Je peux savoir à quoi tu joues? Pourquoi tu leur aboies dessus? Tout le monde a les boules. Plus personne se fait confiance. C'est plus sûr comme ça. Alors que tu sais très bien que les... que c'est des grosses bestes noires qui... Ils vont mal. J'espère pour toi que ton vaisseau, c'est pas des bobards. Pourquoi il y a un téléphone, là, sans déconner? Attends, là. Je m'occupe de l'ascenseur. Tu permets? C'est un vieux machin, faut un doigté spécial. Eh ben, qu'est-ce que t'attends comme ça? Appuie sur le bouton. Quel bouton? Ah! Connard! Essaie de pas faire trop de bruit par ici. Il nous voit déjà. J'apprécierais grandement que tu me dises ce qui se passe ici. Et tout de suite! Écoute-moi bien, mon petit. Si tu veux, quand on retournera sur le vaisseau, on pourra se détendre, se faire des tresses dans les cheveux et papoter autant que tu veux. Ouais, quand on sera sur un nouveau vaisseau. J'ai besoin de savoir ce qui se passe et pas dans 107 ans! Ok, comme je te l'ai dit, il y a un tueur dans les parages. Un tueur? Mais quel genre de tueur? Je l'ai pas vu, mais il est ici. Ça, c'est sûr. Il nous chope un par un. Tu me parles de quoi? Un psychopathe? Un dégénéré? Non, c'est autre chose. Un monstre!
Ictus me dit que lui, il faut pas s'y attacher, quoi. Allez, t'as le flingue, tu passes devant, connard. Sans déconner, quoi. Conneries, ça, putain. On ferait mieux de chercher une sortie. T'es complètement dingue? Y a aucun moyen de sortir de cet endroit. Au moins ici, on est en sécurité. Ouais, mais pour combien de temps? Et on fait quoi s'ils nous tombent dessus, hein? Bah, on leur tire dessus. Maintenant, ferme-la. T'es en train de me faire flipper. La station ressemble à un cimetière, hein? Ok. Descends-lui. Va falloir qu'on fasse le tour. Suis-moi. Mais pourquoi on n'a pas dit bonjour? Pourquoi on n'a-t-on pas dit bonjour? J'aime pas trop les étrangers, même les gentlemen comme moi. C'est étonnant. Je te raconte pas de salade, petite. Si tu veux y aller, leur faire coucou, tu signes ton arrêt de mort. Leurs flingues ne sont pas là pour faire joli. Il faut que quelqu'un agisse. C'est ce qu'ils font. Entre nous, on appelle ça l'instinct de survie. On se retourne tous les uns contre les autres. La peur, ça rend les gens complètement sains. J'avais remarqué. C'est là-dedans que tu vis? Excuse-moi, mon majordome est en vacances. Prends tout ce que tu veux. T'auras peut-être pas d'autre occasion de le faire par ici. Ça va faire une semaine que je me terre ici en attendant un vaisseau. C'est peut-être vous que j'attendais. Ça fait une semaine que tout a commencé, c'est tout? Il peut faire vachement sombre par ici. Tu devrais prendre cette lampe torche-là. Ah, enfin! Oublie pas de faire le plein de piles avant de partir. Lampe torche. Allez, t'attends quoi, là? Ramasse la lampe torche. C'est ça la lampe torche? Fais gaffe de pas l'allumer n'importe où. J'ai pas trop envie qu'on se fasse repérer. On y va. Alors F pour allumer la lampe torche. Commande clavier. Alors on attend. C'est accroupir, tirer. Alors A, fermer menu radial. E, utiliser. Ok. Donc ça, c'est tab. D'accord. Bon, c'est pas ça que je voulais faire, mais bon. Je vais surveiller ce conduit. Il y en a un autre quelque part par là. J'ai laissé une marque dessus pour pas l'oublier. Et si tu jetais un œil dans le coin, on ira nulle part tant que t'auras pas trouvé le conduit.
t'entendras me fouler, je te... Moi aussi, un petit peu, j'avoue. Une plaque d'identité, je sais pas pourquoi, à quoi ça sert. Des piles. Ah ouais, mais les piles, ça va vite, quoi. Hein. Axel, c'est ça? Attends-moi, j'arrive. Je savais bien qu'il était par ici. Tu vois, je gère, Fougère. Je gère, Fougère. Allez, tu sors. Tu sors, toi, tu mérites de mourir. Déjà, de base, pour dire les conneries pareilles. Je gère Fougère. Mais lol. C'est pas très prudent de s'attarder ici. Allez, bouge ton cul. Super, c'est comme ça que vous vous déplacez? C'est comme ça que se déplacent ceux qui veulent rester en vie. C'est le Torrens, ton vaisseau, c'est ça? Et comment tu le sais? J'ai entendu un truc. Ouais, je comprends, ça va faire. Faut qu'on rejoigne les autres. Y'a un truc qui merde. Y'a toujours un truc qui merde avec lui. Fais un effort, t'as pas envie de le mettre en pétard. L'urgence, quelqu'un est venu ici. Tout le monde sur le qui-vive. Gardez vos armes à portée de main. Ouvrez le feu dès que vous voyez un inconnu. Compris. Bougez pas, je vais vérifier la réserve. Comment vous faites, Bisson? Est-ce que ça va? Qu'on les attaque. Qu'on les attaque? On est obligé de passer par là. La porte. Comment? Pour faire diversion. Le générateur, s'il tombait en panne, il viendrait jeter un œil. T'es plus petite que moi. Tu feras forcément moins de bruit. Super. Qui a vérifié les provisions en dernier? Moi? Pourquoi? Tu te serais pas un peu servi, non? Je peux savoir ce que t'insinues exactement? Eh, hey, pour info, il était avec moi pendant tout ce temps. Il manque de la bouffe, des munitions et des médocs. Si c'est pas l'un de nous qui a fait ça, alors c'est qu'on avait raison sur un point. Quelqu'un est venu ici. Ça sent pas bon. On était censé être en sécurité ici. Fais chier. Et le verrou que Joe a installé? J'en reviens, justement. Il a pas bougé d'un poil. Ouvrez l'œil. Tenez-vous prêt à faire feu. Va falloir que quelqu'un aille avertir le boss. Le boss? Le boss, c'est un putain de caissier. Et alors? Tu crois peut-être que tu pourrais faire mieux que lui? C'est oui. C'est ce qu'il a dit. Je voulais simplement dire. Tu voudrais pas plutôt la boucler et m'aider à vérifier le reste des stocks? Enfin, pour ça, faudrait que t'arrives à fermer ton clapet plus de 5 secondes, et je sais pas si t'en es capable. Bon ben c'est pas comme ça qu'il faut faire. Première mort les amis, c'est même pas recommencer la sauvegarde actuelle. Ben ouais. C'était pas par là. Ok, faut qu'on la mette en sourdine ici et n'allume pas cette torche. Ah, il parlait le générateur. Attends.
C'est quoi l'urgence? Quelqu'un est venu ici. Tout le monde sur le qui-vive. Gardez vos armes à portée de main. Ouvrez le feu dès que vous voyez un inconnu. Compris. Bougez pas, je vais vérifier la réserve. Ils sont armés. Et beaucoup trop nombreux pour qu'on les attaque. Qu'on les attaque? On est obligé de passer par là. Pour atteindre la porte au bout. Comment? Pour faire diversion. Le générateur. S'il tombait en panne, il viendrait jeter un œil. T'es plus petite que moi. Tu feras forcément moins de bruit. Super. Qui a vérifié les provisions en dernier? Moi? Pourquoi? Tu te serais pas un peu servi, non? Je peux savoir ce que t'insinues exactement? Eh, hey, pour info, il était avec moi pendant tout ce temps. Il manque de la bouffe, des munitions et des médocs. Si c'est pas l'un de nous qui a fait ça, alors c'est qu'on avait raison. Sur un point, quelqu'un est venu ici. Ça sent pas bon. On était censé être en sécurité ici. Fais chier. Et le verrou que Joe a installé? J'en reviens, justement. Il a pas bougé d'un poil. Ouvrez l'œil. Tenez-vous prêt à faire feu. Va falloir que quelqu'un aille avertir le boss. Le boss? Le boss, c'est un putain de caissier. Et alors? Tu crois peut-être que tu pourrais faire mieux que lui? C'est pas du tout ce qu'il a dit. Je voulais simplement dire que... Tu voudrais pas plutôt la boucler et m'aider à vérifier le reste des stocks? Enfin, pour ça, faudrait que t'arrives à fermer ton clapet plus de 5 secondes, et je sais pas si t'en es capable. Alors. Qui est là? Montrez-vous et on vous fera pas de mal! Je crois que j'ai vu bouger un truc, alors. Direct, tout fonctionne? Comment tu peux le savoir, Einstein? Si le générateur avait pété, il y aurait de la fumée. Bah, en tout cas, là, il marche pas. Bien joué, Ripley. Sécurité? Voilà, fais pas de bruit. Ils sont encore dans le coin. Suis-moi. En tout cas, c'est vrai qu'ils rigolent pas, eux! T'as qu'à me pousser aussi! Déjà, il y a encore une sauvegarde, sans déconner. On va sauvegarder à tous les couloirs, encore. Et après, il n'y aura plus assez de sauvegarde, tu sais. On t'habitue trop bien de la... On t'habitue bien, et puis après, voilà. C'est encore loin? On y est presque. Le transit est juste devant. J'espère bien que ton vaisseau est encore là. T'imaginais pas Sébastopol comme ça, hein? Il faut avouer que non. Je suis même pas censé être ici, tu sais. Mes papiers de sortie datent d'il y a une semaine. J'ai réussi à mettre la main sur ce truc dont je parlais. Le chef remarquera jamais rien. Il y a toujours plein de trucs qui disparaissent quand une station ferme pour de bon. Vous en faites pas, pour les douanes non plus. Sinclair a dit que ces hommes fermaient les yeux. De toute façon, ils seront sûrement trop occupés à faire les guignols ou à accepter les pots de vin pour capter. On n'a que ce qu'on peut s'offrir, je suppose, Bailey. Nerson, Léonard, vous êtes les premiers à commencer le service ici, alors lisez attentivement. Ça n'a pas été une mince affaire de tout rassembler. On n'a vraiment pas envie d'avoir des intrus juste parce que vous n'avez pas d'instructions. Donc voici ce qu'on appelle les règles de verrou à deux. Cela veut dire qu'il faut deux personnes pour ouvrir la porte simultanément de deux consoles différentes. On ne se connaît pas vraiment les uns les autres, donc c'est le moyen le plus sûr pour garantir que tout le reste que tout reste bien en sécurité et qu'aucun de nous décide de partir en solo avec notre cam. Quand vous êtes en service, montez la garde à tour de rôle et prévenez les uns l'autre si l'un de nous doit sortir ou entrer. Juste nous, ça veut dire personne d'autre, peu importe quel point on vous supplie ou comment on vous présente une telle histoire déchirante,
J'étais dans un groupe avant ça et on a été trop gentils. Résultat, je suis le lien qui reste. En fait, nous faites confiance à personne. Joey. Donc Joey ne fait confiance à personne. Inventaire. 4 aspirines, 32 conserves, 6 boîtes de céréales, 4 gallons d'eau. Oh, c'est pas beaucoup d'eau, ça. Hein. Du dentifrice, peut-être t'en parlais tout à l'heure. Cigarette, papier toilette, 6 rouleaux. 2 kits de soins, du lait en poudre. Zoé a réussi à faucher des médicaments sous prescription. Tous adressés à la même personne, il devrait sûrement plus en avoir besoin. D'accord. Il continue à faire le menteur sur l'ordinateur, c'est cool ça. Elle a plus de jus. Ces enfoirés nous ont barré le chemin. J'ai compris. Faut qu'on active les deux consoles en même temps pour l'ouvrir. Je me charge de celle-ci, tu t'occupes de celle qui est de l'autre côté. Ok. Ouais, je vais me faire baiser, moi. Prête. À trois. Un, deux, trois. Seront là d'une minute à l'autre. Faut qu'on se casse, maintenant ! Hé, hey, bande de bâtards ! Tunez, bouge ! Merde ! Heureusement qu'il est mort. Ils l'ont buté. T'as buté ce type ? Parce que sinon, c'est moi qui l'allais tuer. Tu m'as sauvé la vie, Ripley. Dans tout ça, faut qu'on sauve notre peau. Tu comprends ce que je veux dire? Lui va mourir, lui. J'entends quelque chose. Axel? J'en ai sur moi. Mais je vais où là ? L'ambiance. J'ai failli mourir.
T'as même pas fouillé les sacs et tout ça. Hein. Cette station dessert Sixon Communication Technologies, Sixon Synthetics et Gemini Exoplanet Solutions. Bon, lui il est mort, hein. Synchronisation requise. D'accord. Je suis partisan du souvent les aliens ensemble et tout, hein. Ah, mot de passe requis. Doucement. Qu'elle est en bas. La
hasard. Utiliser le reboutage pour activer et désactiver. Consulter la carte. Sors de là. Et voilà. En fait, les hommes sont plus dangereux que les... Comme d'habitude, quoi. Alors, on commence. Ah, c'est pas un jeu où il faut foncer, hein. Ça c'est sûr.
intoniseur d'accès. Elle essayait de pirater la sécurité de l'ascenseur. Les circuits ont grillé, c'est du gâteau. Faut juste trouver une nouvelle cellule de données. C'est quoi pour se soigner déjà? Parce que j'ai trouvé des trucs pour se soigner, mais... Commande, clavier... D'accord. Je peux te dire que moi, le jour où j'ai l'impression de me faire suivre, je vais voir quelqu'un. Merci beaucoup, NapMersaï13. Merci beaucoup pour le follow. Ça m'aide beaucoup. Merci beaucoup. Merci énormément. Ça va bien et toi ? Tant mieux. T'as du peps, ça c'est bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais non, y'a personne, y'a personne. Tu peux même pas prendre leur flingue, quoi. Putain, voilà, je suis tombé sur quelqu'un qui est anti-arme. Voilà, 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 voilà. Je l'ai fini. No spoil, no spoil. Elle essayait de pirater la sécurité de l'ascenseur. Je viens de le commencer. Ils ont grillé. Non, t'inquiète, je suis pas comme ça. Ah, tant mieux. Bon, il fait beau à Marseille. Des gens qui en échappent. Si on le voit, on se part en courant. T'as fait d'autres jeux qu'Alien ? Tu aimes l'horreur ? Oui, ça fait beaucoup de questions à la fois, j'avoue. Il va falloir qu'on dorme bientôt. Si on peut pas claquer tout ça.
n'y a personne. C'est ton imagination. La station ressemble à un cimetière, hein. Ah, tant mieux. Ta gueule! Bon, lui, il est bugué, lui. Ok. Heureusement, il tire pas par... Ah bon, le lien marche pas ? Bah, c'est pas normal. Comment on fait pour... Ah oui, Métique. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Métique. C'est pas trop ce que je voulais faire, mais bon. On les a effrayés, c'est bon. Exactement, c'est bon. On va s'en sortir. Ah ouais, tu peux pas rejoindre mon Discord. Bah faudrait que je règle ça alors. Putain, c'est casse-couille par contre ça. Que ça vient pas de moi, plutôt de moi. Ah bon, merde. Détecteur, c'est quoi ça? Vous pouvez utiliser un medkit pour vous soigner. J'ai rien compris. Ouais, ouais, je peux le mettre, ouais. Voilà. Ça.
Ah, j'ai compris. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Bon, mais je pense que là, j'ai eu tout le monde. Ah non, non, je lui touche. Hein. Là, je joue solo, donc je suis tranquille, moi, là. Je suis Pépère. Et bon samedi soir d'homme marié qui joue aux jeux vidéo, tu vois. Le cliché, quoi. Rétablir le courant, rétablir le courant. En fait, j'aurais pu aller directement, là. Sans tuer tout le monde. Non, non, c'est cool, merci. C'est très gentil à toi. Quand j'ai envie de combattre, t'inquiète pas, moi je le demande. Enfin, c'est quelqu'un, quoi. C'est quoi, ça? Ah, c'est pour se cacher, d'accord. Là, on est bien d'accord que je viens de voir une grosse bête partir en courant. Wouhou! Putain, mais ça fout les boules, tu t'attends pas, tu sais, tu t'attends, tu es tranquillement en train de marcher, d'un coup un truc qui s'ouvre. Je suis désolé, non, non, ça fait peur. Niveau de sécurité trop élevé. On peut descendre en bas, on va voir. Ça va, j'ai le cœur bien accroché, vous inquiétez pas. Ah là là, j'avoue que c'est pas la zone de confort, ce genre de jeu, pour moi, tu vois. C'est pas la zone de confort. Putain, quand j'étais jeune, j'en ai bouffé, mais bon, putain. Le premier AVP, putain. Oh, jouer le marine dans le premier AVP, eh bien... Mais crois-moi, mais t'étais comme ça, hein. Ah, croyez-moi que tu savais que t'étais la bouffe, hein. Bon, les graphismes étaient pas joli joli, mais... Wouh. Juste pour l'ambiance. J'en ai trouvé je sais pas combien par terre, sans déconner. Et là, je peux ramasser un revolver maintenant, quoi. La logique des jeux vidéo.
Je suis pas d'accord, hein. Un gros trou noir au-dessus de ta gueule. On n'est pas bien, on n'est pas bien. Surtout quand tu as vu un mec se faire transpercer de part en part. C'était pas accueillant, quoi, tu vois. Au bout d'un moment, excuse-moi, avec tous les morts qu'il y a, eh bien moi je le dis, hein, l'espace, c'est pas accueillant. Avec tous les films qu'il y a sur ça, quoi. Non, non, c'est pas accueillant du tout. Il y a un endroit où on peut se cacher, là ? Oh, bon sang. La boîte noire. Quoi ? Quoi ? Non ! Oh, tu viens pour ça, mais tu... Oh, c'est pas... Oh, putain de merde ! C'est pas mon... Non autorisé détecté. Verrou de sécurité enclenché. Veuillez patienter pour vérification de sécurité. Ok, ok, ok. Secondes sans déconner. Ah, d'accord, ok. Autant pour moi. D'accord, j'ai compris, putain. J'ai compris.
Alors... Personne à bord du Nostromo a fait en sorte que la mémoire de leur unité centrale maman l'efface du système. Pour X raisons, les données ont été corrompues avant d'arriver ici. Je peux savoir en quoi c'était une tâche prioritaire? D'accord, ok. J'avoue que la musique, on espère qu'on s'y habitue. Chef, la bonne nouvelle, c'est que les... 80% du système du courriel pour la décommission. Elle a été déconnectée d'Apollo, mais j'ai laissé en place le système de messagerie basique. La mauvaise nouvelle, c'est que le branquignol qu'il a installé en premier lieu l'a lésiné. Et on a dû des fuites, du coup, Franck. Isolation décollante, station recouvre 10% de cap la B1. Plus important, ce sont les milliards. Putain, il peut pas y avoir de...
Bon, il faut qu'on aille par où alors? Oh, me dis pas qu'il va falloir que j'aille dans les conduits, quoi. Déjà, c'est pas là qu'on doit aller. Contamination. Ça se trouve, non mais c'est tout con, je suis passé devant, je l'ai pas vu. C'est tout, hein.
Qu'est-ce que j'ai loupé? Alors, ça c'est quoi? Ah d'accord, c'est... Alors, il y a une commande là-bas. Putain, ça fait trois fois que je passe devant, mais ça me fait encore peur, quoi, sans déconner. Puissance faible. Et là, il y a deux. D'accord. Ah ben voilà. La chance. Ok, donc j'ai enlevé une alarme. Pirater ascenseur, c'est ce côté-là, ok.
Regarde pas. J'ai que ça à foutre. Pas de bruit. Non, c'est pas ça. Si, c'est celui-là. C'est celui-là et c'est celui-là. Oh, oh mon Dieu, je respire. Ok. Hey, mon nom est Ripley. Amanda Ripley. J'ai besoin de votre aide. Veuillez vous asseoir. Quelqu'un va vous recevoir très rapidement. Pas étonnant que Sixon soit en perte de vitesse. Ouh. Bon, j'ai vu l'alien en chair et en os. Là, j'ai un palpitant assez haut, on va dire ce qu'il est. C'est des dessins éthiques, d'accord. Étonnamment simple et tout simplement étonnant. Mais t'inquiète, pas de soucis. Pas de soucis. Comme si j'allais avoir un souci. Communication, c'est urgent. Il s'agit d'une zone interdite. C'est important. Vous voyez pas ce qui se passe? Apollo contrôle la situation. Votre enregistrement est presque terminé. Laissez tomber. Je me trouverai un chemin. Votre confort est notre priorité. Je vous déconseille. On sert à rien. C'est ça le truc, hein. On sert à rien, quoi. Bon, déjà, tu vois, il y a un détecteur. C'est une sorte de détecteur. Il a été trafiqué. Êtes-vous perdu? Non, aucun problème. D'accord.
Je suis pas fait pour... Je suis plus fait pour ce genre de jeu, moi. Hugues, j'ai installé un verrou manuel sur la porte qui mène à l'étage. Je ne veux aucun accident jusqu'à qu'on découvre ce qui cloche, chef. Bah ben, t'as trouvé ce qui cloche, chef, je pense. Partager, manifeste. N'est pas de montrer un nouveau monde, mais de découvrir avec nous. Voilà, ta petite cliquette et au lit, hein, qu'est-ce que vous croyez? Non, mais lol. Toutes les nouvelles technologies, les projets de recherche et découvertes sont utilisés pour trouver un moyen. Hein. Propagande, origine dans l'espace, 2034. Une année qui a bouleversé, qui a tout bouleversé, l'avènement du voyage plus rapide que la lumière. À ce moment connu sous le nom de Ziegenson, sur le chemin de la gloire dans l'espace, commença sérieusement et ok. De quoi MDR? C'est la liquette qui te fait rire, ou c'est ma façon de dire? Attention, hein! Les compromis fermiers des vaisseaux d'entendre l'espace colonial au-delà, selon l'histoire d'entreprise Welland, voyait d'un mauvais œil de partager ses technologies plus rapides que la lumière. Bon, est-ce qu'on a un audio? On a un audio! Claire et toi. Redfield? Claire Redfield? Non, arrête. Elle est là aussi, purée, mais c'est une héroïne, ça. Alors ça, c'est pas cool, ça, tu vois. Doucement. Un point de sauvegarde, GG. Et m'ouvre pas comme ça, toi. Oh putain. J'aimerais trop m'abonner pour te donner de la force. Ah, comme tu veux, ça. Moi, je suis content de vous avoir déjà. Je suis content d'avoir déjà des gens qui regardent, tu vois. Ça me fait déjà plaisir d'avoir des gens qui regardent. Bon, j'ai sauvegardé, c'est bon, je peux mourir! Je peux crever! Go! Bonjour! Ah! Mais t'inquiète pas! C'est normal. T'imagines avec 5 euros ce qu'on fait aujourd'hui? Sans déconner. Avec 5 euros, je te fais un putain de repas, moi. Ça, ma femme rigole, elle me soutient. Bon, elle me fait un putain de repas. Comme si je savais pas cuisiner, tu sais. Ah là 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 là. Quoi, il y a une pile sur ça ou quoi? Ma femme, c'est une perle, ma femme.
Ah, il me faut tout ça en fait. D'accord, d'accord, j'ai compris. Non, j'ai pas compris. Déplacer. Voilà. D'accord, en fait, vu que c'est pas en clair, je peux pas en fabriquer. D'accord. Ok. Il m'a fait peur avec ses putains de yeux, là. Wouh ! Pénétrez actuellement dans une zone interdite. Faites demi-tour. Laissez-moi passer. Je dois contacter mon vaisseau. Navré, je ne peux pas vous laisser faire. Ripley, Amanda. Vous êtes désormais connecté à Apollo. Bienvenue sur la station Sébastopol. Il y a forcément un autre chemin. Veuillez vous asseoir. Nous allons vous aider. Monsieur, j'ai que ça à faire. Donc déjà, on sait que c'est ce truc-là. Ah, c'est très gentil, c'est super gentil. Merci beaucoup de me follow sur YouTube. Merci, merci énormément. Ah, oh, putain, mais tu me régales ce soir. Putain. Ah, c'est super. Oh, vraiment, ça fait déjà deux soirs quoi que des gens me follow sur ma chaîne et sur YouTube, quoi. Merci vraiment beaucoup à vous, quoi. Merci, 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 quoi. C'est vraiment super, quoi. Ah, clic gauche. Ah ouais, donc en fait, là, je peux pas en fabriquer, c'est ça le truc. C'est qu'il faut en fait avoir tout ça pour fabriquer un medkit. Ah si, je peux. Ah, j'ai compris. Mais voilà comment il faut faire. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on peut fabriquer d'autre? Allez hop, hop, on est parti. Grenade aveuglante. Cliquez. Donc il me faut de ça. D'accord. Mais voilà, 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 j'ai compris. J'ai compris. Émetteur de son. Putain, il faut un pistolet seringue pour... On continue, 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 on continue. Salaud. C'est quoi? Ils ont changé le truc d'un coup, quoi.
J'ai pas trop envie d'y aller. Écoutez-moi, il faut absolument que je rétablisse les communications longue portée. Vous montrez des signes d'hystérie. Reculez, je vous préviens. Allons, trouvons une solution amiable. Donc faut être sympa avec les robots, hein. Faut être sympa avec eux. Ok, et... Mais non, mais c'est pas ça que je veux faire. Voilà. Je ne suis pas là. Des informations de la compagnie à caractère ont été détectées automatiquement dans le message de Sébastopol. Cet événement a été enregistré par Apollo pour le compte de ses... Si vous avez davantage de questions, veuillez vous adresser à, à votre responsable ou représentant. D'accord, partagé. Rix a travaillé toujours à l'organisation. Vous vous souvenez de la merde dans laquelle vous vous êtes foutu l'année dernière? La merde dont je vous ai aidé à sortir? Eh bien, il est temps de me rendre la monnaie de la pièce. C'est super bien demandé, je trouve. Un de mes collègues a jeté un œil à quelques documents des importations et a trouvé plusieurs problèmes. Il est nouveau et il a du mal à piger comment ça se passe à Sébastopol. J'ai un problème avec ce prénom-là, Sébastopol, le surnom de ville, quoi. Il est menacé d'aller balancer... Il menace d'aller balancer à Wraith. Mais non, Wraith, c'est pas Apex, ok? Ok, ok, bon. Ça pourrait nous nuire. Alors je vais avoir besoin que vous gardiez un œil sur lui. Si jamais un truc intéressant en ressort, Apollo tient des caméras partout. Merci de me prévenir. Faut juste que quelqu'un lui dise vers où les tourner. Je sais, merci, merci, merci. Son nom est Daniel Aldin. Il vit, et comme ça, en même temps, je respire et j'ai moins peur. Eh oui. Non, mais c'est une méthode, en fait, de jeu d'horreur. Tu lis toujours les pages, comme ça, c'est un moment de pause. Même si tu peux te faire défoncer par derrière, là, c'est pas grave. C'est un petit moment de pause. Suite résidentielle, jour de 651. Si ça se passe bien, j'aurai sûrement d'autres trucs à vous demander. On pourrait faire un peu de ménage ici. Razom. D'accord. Bon, là, c'est un fichier corrompu. Non. Oh. Non, Morgan Freegan. Non, 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 non. Il a une voix, lui. C'est The Voix, tu vois. Il dit... Manuel a pris le verre d'eau. Tu vois, mais tu frissonnes parce qu'elle a pris le verre d'eau, tu vois ce que je veux dire? Tu frissonnes!
Moi, on me dit, bon, mais ferme ta gueule, allez. Et c'est où qu'on avance plus vite? Dans la rediffusion, bien sûr. Là, t'es obligé de m'avoir en grand plan, hein. Image de la caméra. Je me suis perdu. Non, c'est bon. D'accord, en fait, tant que tu les attaques pas, ils te font rien. D'accord. Y a-t-il quelqu'un ici? Ah, ils me voient pas. Que faites-vous ici? Ah si, ils me voient. Ils sont deux maintenant! Ils sont deux! Et j'ai pas enregistré! Non! Je me casse! Ok! Pour tes flots, tu mérites. C'est gentil. Wouh! Putain, j'ai failli crever par des ordinateurs. Option, je. Comment on fait pour prendre ces putains de revolvers? M'aurait-on floué? Revolver, mais c'est ça, c'est le. Alors pourquoi ça voulait pas là? Ceci n'est pas autorisé dans cette enceinte. Je vais vous attraper. Ah, ok. Je vais devoir faire un rapport à ce sujet. Ne courez pas. Non, mais bien sûr, je vais me laisser charcuter la gueule. Mais bien sûr, mais non, mais... Non, mais bien sûr, je vais me laisser me faire charcuter la gueule. Gratos, comme ça. Je suis allé voir partout, hein. Ouais, ils sont repartis bosser pépère, comme si rien... Comme si rien n'était. Ah ouais, j'avais compris, ouais, ouais, mais... Je voulais vérifier si j'avais pas regardé, j'avais oublié la carte, je sais pas quoi.
Je vois que tu galères. Oh là là. Et voilà, et voilà, et voilà, on commence à insulter, tu galères, voilà. Tu as peur, voilà, tu es, voilà. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Mais j'aime galérer, c'est pour ça que je joue aux jeux vidéo. Attention. Centrale de communication, accès réservé aux employés de Sixon. Voilà. Mais non, je prends pas mal. T'inquiète pas, le jour où je prends mal, tu vas savoir pourquoi. Tu m'entendras. Mais moi aussi, je rigole. Ouh, attention, attention, je vais mettre accueil du torrent. Je suis Dan Verlaine, capitaine du train. Je transporte avec moi 3 passagers pour le compte de Wesley. Vous détenez la boîte, nous demandons l'autorisation de son transfert immédiat à vous. Je suis Diane Verlaine, capitaine du torrent. Je transporte avec moi 3 passagers pour le compte de la Wayland Yutani. Vous détenez la boîte noire du Nostromo. Désolé, j'ai lu. Nous demandons l'autorisation de son transfert immédiat. À vous. Ils ne veulent pas te répondre. Alors, opération erreur, audio. Ici Verlaine du Torrent. C'était quoi ce bordel? Sébastopol? Est-ce qu'un membre de notre équipe de VA est parvenu à bord? Répondez, s'il vous plaît. L'explosion nous a causé des dégâts. Nous sortons de l'espace de Sébastopol. Nos systèmes seront HS pendant les réparations. Je ne peux rien avancer pour l'instant. Ici Waits, capitaine de la colonie à Sébastopol. La situation est grave. Nos communications non locales sont HS. Vous devez envoyer un message d'urgence de notre part. Vous me recevez? Je répète, toutes nos communications à distance sont HS. Et nous avons besoin d'aide. Restez en arrière et envoyez des secours. D'accord, Waits. Ok. Ok, tout était déjà lu, quoi. C'est bon, ça. Communication extérieure désactivée sur ordre d'Apollo. Poste hors ligne. Toutes les communications en cours sont suspendues. Oh, super. Il ne manquait plus que ça. Les communications internes sont ouvertes sur certaines fréquences. Il doit y avoir un moyen de contacter quelqu'un de la station. Trouver un autre terminal. Moi, je suis là, je regarde par là. Ok. Bon, je pense qu'il faut descendre. Hein. C'est quoi, ça? Ah oui, tout à l'heure, j'ai été pris, donc j'ai pas pu... Alors, utilisez le rebootage pour activer et désactiver les systèmes à votre proximité. Une alimentation d'électricité limitée pour éteindre fournit l'électricité pour allumer d'autres. Ah, d'accord. Consultez la carte à droite avec la souris pour localiser le positionnement de systèmes locaux. Accéder à de nouvelles zones, créer des diversions ou trafiquer les systèmes. Remplir vos objectifs, d'accord.
Alors, tab, changer de salle. Donc là, j'ai coupé les caméras. D'accord. La purification de l'air, je vais laisser ça comme ça. D'accord. Okay. D'accord, ok. Parce qu'il n'y a que des robots, là, on s'en fout. Mais j'ai au moins désactivé les caméras. D'accord. Donc, eux ne doivent pas me voir. Personne. T'emmerdes, non ? Eh, ça ! Il s'en branle complet ! On n'est pas bien ! J'ai besoin d'air. Bon. Je galère. Heureusement qu'ils sont un peu lents, hein. Bon, il faut que je sois un peu plus discret, quoi. Wouh ! C'était chaud. Oui.
Il m'a fait peur. Putain, mais je vais mourir, moi. Je vous ai trouvé. Wow. C'est quoi ça? Ah, 43 et 91, d'accord, entrez. C'est chaud, c'est chaud. Allez, monte, 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 monte. Ah, d'accord, ok, autant pour moi. Samuels. Vous êtes vivant, ici Ripley. Ripley, c'est l'heure, c'est Ripley. On s'inquiétait, on pensait... J'en suis sorti. Où êtes-vous? Nous sommes actuellement dans une gare de transit, à côté du centre de soins. Entendu. Samuels, écoutez-moi. Vous êtes pas à l'abri ici. Cet endroit a été barricadé par Sixon, leurs putains d'androïdes sont en train de faire un massacre. C'est impossible, c'est contraire à toute la programmation de synthétique primaire. Messieurs Samuels, je suppose que Sixon a une conception différente des synthétiques. Et il y a autre chose, une créature énorme et meurtrière. Ripley, calmez-vous. Quelle créature? Une forme de vie, une espèce inconnue, une sorte d'organisme alien. C'est extrêmement dangereux. Taylor est... Taylor est blessée. Elle a été frappée par des débris lors de la traversée. Quel est son état? Je ne peux pas la déplacer. Il me faut du matériel de soins. Il faut absolument qu'on nettoie et qu'on soigne et les le blessures. Torrance? La radio vient de nous lâcher. Impossible de contacter Verlaine. On est tout seul. Oh merde. D'accord. J'arrive. Je vais vous envoyer une voiture de transit. Ok. Communication non autorisée. Veuillez patienter. Un membre du personnel du sol va vous activer dans la zone interne. Bon. Voilà. Mais les amis, je vous remercie d'avoir passé tout ce temps avec moi là. D'avoir passé ces 3 heures avec moi, ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Mais c'est ici que tout s'arrête pour ce soir. Nous nous retrouverons samedi prochain pour une nouvelle soirée horreur. Nous continuerons Alien, tous ensemble. Pour notre plaisir et pour votre plaisir de me voir un peu gueuler. Voilà, demain, je ferai un peu de Apex. Parce que j'ai envie d'y jouer un peu aussi. Ou je ferai autre chose, je sais pas. Ou je continuerai Cyberpunk. Ou alors on verra, ce sera selon mon bon vouloir. Je vous fais à tous et à toutes de gros gros bisous. Sur YouTube aussi, si vous avez fini. N'hésitez pas à vous abonner. Un petit commentaire, un petit pouce bleu. Oui, parce que je vais mettre ça, bien sûr, en rediffusion. Je vous dis à tous et à tous, bye bye. Et surtout, faites attention à vous. Gros bisous les oursons, merci à toi Naps Marseille 13 pour le follow, ça m'a fait extrêmement plaisir et n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, j'aime discuter avec vous, bye bye.